Here we go, this is the moment. C'est le moment de vous annoncer le sexe du bébé. Je suis quand même assez fébrile de vous le dire. On n'aura plus aucune surprise entre nous. So there will have no surprise between us after that announce because you will know everything about my pregnancy for now. So, let me know in comment. Do you think it's a boy or do you think it's a girl? Est-ce que vous pensez que c'est une fille ou vous pensez que c'est un garçon que je vais avoir? Je sais pas s'il y aurait des signes qu'on pourrait regarder. Je vais vous laisser voter. Alors, je vais vous le révéler en vous montrant des petits vêtements qu'on s'est fait donner. Fait que les premiers vêtements qu'on s'est fait donner, c'est un peu genre unisexe, mais j'adore la couleur. Regardez comment c'est cute! Avec un petit bonnet. Comme ça. Et on s'est aussi fait donner un pyjama. It's a boy! C'est un garçon qu'on va avoir. On dirait que je le dis, puis ça m'émeut. Oh, je suis vraiment contente. Pour vrai, je m'attendais tellement à avoir une fille. I was sure that I was expected a girl. And finally, when they told me that it's a boy, I was like, oh, really? No emotion, just like, that's true, that's a possibility. Fait que je me disais, c'est vrai, hein, c'est une possibilité. J'avais complètement oublié que j'aurais pu avoir un garçon. J'étais tellement sûre que j'aurais une fille. I was dreaming about having a girl, but I'm really happy about having a baby boy. Fait que je suis vraiment contente d'avoir un petit gars, puis on vous dévoilera le nom en temps et lieu. Ouais. On a quand même un secret encore à vous. On n'est pas encore 100% sûr, mais presque, on s'est arrêté sur un nom. Mais on va vous le dévoiler plus tard. Fait que voilà, si vous avez des recommandations, hein, c'est comment avoir un petit gars, j'en ai aucune idée. Alors voilà, c'est un petit gars qu'on attend. Puis je vais vous donner plus de nouvelles. J'aimerais ça vous faire des vlogs aussi sur comment je prends soin de moi, puis tout ça.